c'est ce qu'il faut, montrer la toute la honte. Ah, c'est une commune vraiment. Il y a qui c'est bien qu'on voit. Droit de vie ou droit sur les commerces. Ça dure. Et d'aller dans les fermes. C'est bon, ouais, fais-moi le topo alors, c'est quoi ce bordel? Alors, c'est pas un bordel déjà, on est là simplement pour manifester notre mécontentement par rapport à la façon dont la mairie gère le marché. Le marché tel qu'il a lieu aujourd'hui, c'est le marché qui aurait dû avoir lieu en fait depuis le 23 mars, c'est-à-dire c'est un marché de confinement, et là on est passé depuis le 11 mai dans une phase de déconfinement, c'est-à-dire que tout le monde est autorisé à travailler, y compris l'alimentaire et les produits manufacturés. Voilà. Seulement à Cluny, ça se passe pas comme ça. Nous, on est exclus, donc on est là pour simplement dire qu'on n'est pas d'accord avec cette façon de faire qui est en fait hors la loi. Et pourquoi vous êtes exclus? Pourquoi on est exclus? Parce que le maire ne veut pas de nous, sous prétexte de pouvoir organiser le marché en toute sécurité, de laisser suffisamment de place entre les stands. Mais monsieur le maire, il n'a pas compris que nous, on n'est pas des enfants. Si on nous dit de rétrécir nos stands et de laisser des distances de sécurité, on va le faire. On n'est pas... Nous, ce qu'on veut surtout, c'est travailler. Ça fait deux mois qu'on ne travaille pas, qu'on n'a plus d'argent, voilà. C'est pas logique. Hein. C'était de faire venir une fois sur deux les commerçants. Oui, enfin, il y avait d'autres façons de faire. Il y avait plusieurs possibilités. Et quels sont vos recours? Voilà, pas à part celui-ci. Voilà, apparemment, la seule réponse que j'ai de la part du maire, c'est je suis seul maître à bord. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc nous, à partir de là, on vient juste manifester pacifiquement notre mécontentement. Voilà. Vous croyez que la police est là pour vous encadrer pacifiquement? La police est là pour nous contrôler, nous demander nos identités, à tous. Voilà. Ce qui est bien, c'est que sur ce genre de petites manifs, nous on est 11 commerçants concernés, et il y a plus de gendarmes que de... C'est bien. Comme ça, au moins, on est tranquille. On est protégé. On se sent en sécurité. Ah oui, alors complètement. Là, on se sent pas... on n'a pas de problème avec ça. Aucun problème. Ok, ben merci beaucoup et bon courage. Je vous en prie, bonne journée. Racontez-moi l'histoire alors. La première fois que vous manifestez. C'est la première fois que je manifeste. Voilà. À 68 ans, je suis solidaire de mes collègues parce que c'est quand même normal, on a le droit de travailler. Moi, si j'ai pas mon mari, je mange même pas une pâte à manger. Vous voyez ce que je veux dire? Et par contre, mon URSSAF, je l'ai payé ce mois-ci. J'ai payé mon URSSAF. Et vous vendez quoi habituellement? Moi, je vends des étoiles en cachemire. Je vends un petit peu de prêt-à-porter, des choses un petit peu... Oui, je vous reconnais, mais avec le masque, on ne se reconnaît plus. Je débarque à côté de Patrick, en principe. Ouais. Donc, voilà. Non, mais il faut être solidaire. On sait qu'il y a eu énormément de soucis, tout le monde a eu des problèmes. Et là, maintenant, il faut revivre. Bien sûr que ça ne sera plus comme avant. Bon, il faut accepter. Et nous, on a le droit de travailler. Voilà. Eux, ils ont des enfants en études. Voilà, ils ont besoin. Ils n'ont pas d'aide, on n'a pas d'aide. Ah, bien sûr. Le salaire, nous, on vient le chercher. Voilà. Moi, c'est encore différent, mon mari est à la retraite. Et tous ceux qui ont besoin de ça, il faut qu'ils travaillent.